Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on accueille Véronique Pagnon, journaliste à Canal Coquelicot, la télé locale, pour l'actu de la semaine. Bonjour Véronique. Bonjour Loïc. Le département a tranché. Il ne versera pas sa subvention 2015 à Air Paris, environ 43 000 euros. Oui, c'est ça, presque 43 000 euros. Air Paris va devoir faire 100. L'organisme qui surveille notre air est déjà habitué, hein, puisque depuis deux ans, il est privé aussi des subventions des Hauts-de-Seine. Quelques conséquences négatives ? Alors, en fait, oui et non. Non, car Air Paris est financé en majeure partie par la région et l'État et par des entrepreneurs. Donc, elle continuera à faire face et surtout à faire les mesures minimales, le service minimal, hein, sur les particules fines. Et oui, il y aura des conséquences, car ce sont les détails, en fait, les précisions que l'association n'ira plus chercher. Par exemple, fini les observations autour des pesticides, autour du chauffage au bois, autour du trafic lié à de gros chantiers. On écoute sur ce sujet la directrice adjointe Karine Léger. C'est un souci financier, c'est-à-dire que pour nous, comment fait-on pour maintenir les stations de mesure qui sont dans le 77, la modélisation, les campagnes de mesure par exemple sur le pesticide ou sur le chauffage au bois, les questions que nous avons d'association par exemple sur les questions de décharge. Sans ces subventions, ce sont des choses que l'on ne peut pas faire sur nos budgets propres. Donc voilà, des points précis, des mesures à part qui ne se feront plus. L'idée de limiter, voire de supprimer les 43 000 euros à Air Paris, eh bien, elle est antérieure à 2015. Elle date de 2009, avec la majorité précédente au département, qui avait même un temps réduit déjà cette somme. Mais cette semaine, après quelques tergiversations, le président Barbeau et son équipe ont décidé en effet de faire cette économie en totalité. Ils ont assuré aux élus écologistes qui s'étaient mobilisés sur la question que cette subvention pourrait revenir dans les années à venir. Juste à titre indicatif, le budget total d'Air Paris, c'est quand même 6 millions d'euros. Donc ça va. Et ouais, dans les 10 jours, la commission régionale en charge des futurs périmètre des agglomérations de la zone Uberne va se réunir. Une date clé pour le Valmobieu et ses voisins, n'est-ce pas Véronique ? Ouais, alors c'est vraiment une date clé. C'est un peu complexe, hein, mais cela concerne beaucoup, beaucoup de monde. On parle en fait de la loi MAPTAM, hein, celle qui demande aux agglomérations des zones urbaines de fusionner. On connaît l'incertitude qui plane autour de la région de Sénart, dans le nord, autour de Plaine et Mont-de-France. Ici, donc chez nous, ce sont trois agglomérations qui devraient être mariées, Valmobieu, Brie-Francilienne et Marne-et-Chantraine. Peut-être quatre, hein, si on rajoute Marne et Gondoire. Les scénarios sont envisageables même s'ils ne sont pas souhaités par beaucoup d'élus. Et c'est donc le 19 octobre, un lundi prochain, enfin celui d'après, que des représentants vont donner leur avis en CRCI à Paris et surtout quelques jours plus tard que le préfet de région tranchera. Alors mariage à 3 ou à 4, derrière ce changement qui devrait être mis en place dès le 1er janvier, il y a beaucoup de changements politiques, hein, des nouveaux rapports de force. En effet, par exemple, actuellement, le Valmobieu est à gauche et s'il se marie, ce sera avec une majorité de droite. Il y a des questions de locaux et de personnel, où vont s'installer le siège d'une grande aglo. Aujourd'hui, il y en a trois sièges différents. Et puis le personnel, comment on réorganise les équipes, quelles missions, quelles compétences. Le temps est suspendu en ce moment. Les syndicats des personnels ont commencé à se rassembler. C'est notamment le cas à la CFDT. Cette semaine, les sections des trois principales agglomérations se sont réunies autour d'une table pour voir un petit peu quelles seront leurs négociations, voir ce qu'ils vont défendre. On écoute Essia Etouman, déléguée CFDT au Valmobieu. Ce qu'on craint de perdre, déjà, c'est nos jours de congé, parce qu'on a quand même pas mal de jours de congé. On a peur de perdre la distance, parce qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller travailler, où va être le siège aussi. Les avantages qu'on peut perdre, c'est le régime indemnitaire aussi, qui peut être revu. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Hein. Car bien évidemment, selon les agglos existantes aujourd'hui, les règles et les avantages ne sont pas les mêmes pour les différents personnels. En attendant le verdict, donc les questions centrales se listent et novembre sera un mois où de nombreuses réponses sont attendues. Et pour la suite, donc à Jossigny, l'hôpital de Marne-la-Vallée a inauguré mercredi son centre de traitement des cancers. Il s'agit en quelque sorte d'un lieu unique pour les malades. Oui, c'est ça. On peut parler de centre dédié au cancer. Auparavant, évidemment, il était possible d'être suivi pour cette maladie à l'hôpital de Jossigny. Mais ce qui est nouveau avec ce centre, c'est que tout un pan de l'hôpital rassemble à la fois la chirurgie oncologique et les consultations. Avant, les patients devaient se déplacer, prendre des rendez-vous de façon distincte. Là, un seul numéro de téléphone et des consultations proches. Le docteur Christine Le Foll fait partie de l'équipe. Nous, là, la difficulté, c'est de faire travailler chirurgiens avec leur façon de travailler, oncologues médicaux avec leur façon de travailler. Et en fait, ça a été monté donc comme un centre anticancéreux, mais je pense que c'est unique
en Seine-et-Marne, voire en région parisienne. Je suis pas sûre qu'on ait d'autres services qui fassent travailler et chirurgiens et médecins ensemble avec le même patient. Donc oui, je pense que c'est une... C'est unique, ouais. Le centre comprend 41 lits. Le but avoué par Jossigny, c'est de redonner confiance aux malades seine-et-marnais. Faire en sorte qu'ils ne pensent pas qu'il n'y a qu'à Paris qu'on peut être suivi de façon poussée. On écoute le docteur Fanny Dufour. On voudrait que les patients autour de l'hôpital, qui vivent à 50 km autour de l'hôpital, aient confiance dans le centre hospitalier et puissent venir, en cas de cancer, se faire traiter du début à la fin sur le centre hospitalier de Marne-la-Vallée. Et le centre devrait accueillir entre 600 et 1000 patients par an. Et on termine encore une fois avec du sport cette semaine, mais en lien avec la santé et le plaisir. Demain, à la piscine de l'Arche-Guédon à Torcy, les femmes sont invitées à venir nager pour lutter contre le cancer du sein. Oui, encore question du cancer. Ce sont les bonnets roses qui leur ouvrent les portes de la piscine. L'entrée est à 10 euros. On paie, mais c'est parce qu'une partie de cette somme sera reversée à la Ligue contre le cancer. Les bonnets roses, c'est le nom que se sont donné un groupe de femmes proches des nageurs habituels de l'Arche-Guédon. Et cette journée, il faudra venir faire des longueurs pour lutter contre le cancer. C'est la première qu'elles organisent dans ce genre. Irène Rabaron est vice-présidente des Bonnets Roses. On les a appelés les Bonnets Roses. Donc on a fait faire un logo qu'on a mis sur le bonnet. Et derrière, là, vous ne le voyez pas, mais on a mis une petite phrase qui est « Je nage pour ». Et là, les femmes pourront mettre à qui elles dédient leur nage, en fait. Donc aussi bien quelqu'un de proche, quelqu'un de malade, quelqu'un de décédé. Enfin voilà, l'objectif, c'est de dédier sa nage à quelqu'un et de venir nager pour la lutte contre le cancer. Et parmi les nageuses samedi, on retrouvera Isabelle, une torséenne que nous avons rencontrée lundi soir lors de sa séance hebdomadaire à la piscine. En fait, je me sens concernée par la lutte contre le cancer du sein parce que j'ai des proches qui ont été touchés. Et je pense que c'est une bonne solution, c'est une bonne idée. Il y en a certaines personnes courent. J'aime la natation, donc j'ai choisi de nager pour la lutte contre le cancer du sein. Donc les bonnets roses, ça commence demain, samedi à 10h, et vous pouvez venir nager toute la journée, même en soirée. Super, et en lien avec le cancer du sein, il y a aussi à la MJC de Noisiel, mardi 13 octobre, il y a le spectacle Maligne en avant-première avec Noémie Caillot. Donc je vous invite à vous renseigner soit sur la radio, soit sur internet, soit auprès de votre MJC. Et à venir voir le spectacle. Bien évidemment. Un petit mot aussi pour terminer, pour rappeler que c'est demain à 11h que la ville de Collégien va rendre hommage à son ancien maire Michel Chartier, décédé le 30 septembre. Il y aura sûrement du monde, ce sera au gymnase Allée du Parc. C'est donc la fin de cette revue de presse. On vous souhaite à tous un bon week-end et vous pouvez retrouver toutes les infos sur Canal Claude Kiko et sur le site canalclaudekiko.fr. Bon week-end Véronique. Bon week-end Loïc. Merci encore et à la semaine prochaine. Oui.